On vous a préparé des chroniques, on a des jeux qu'on va avoir avec le public notamment qui est présent. Et puis on va avoir un artiste qui va venir interpréter deux titres tout à l'heure. C'est parti. Ouais, allez. Et on va commencer par des vidéos qui sont insolites. Il y en a 10, on vous en a mis 10. Donc on va commencer par la première. La première, c'est une bouée qui est tractée par un bateau. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, assez surprenant. Vous venez de voir la prochaine vidéo. C'est un feu d'artifice qui va être un petit peu spécial. Et puis aussi un chat qui va essayer de sauter d'un immeuble à l'autre. Oui, il va essayer. Ça va. Il va essayer justement. Bah, on regarde les deux prochaines vidéos, la numéro 9 et la numéro 8. Oui, donc là on voit le chat qui va regarder longuement la caméra et donc il va après faire un grand saut sur l'autre immeuble. On va voir ça juste après. Ben quoi, le chat? Et donc il va bientôt sauter. Voilà. Merci de nous suivre en direct. Hein, tout à l'heure, on aura notamment un jeu. Alors, c'est un peu spécial. Ce soir, vous allez pouvoir commenter sur notre page Facebook. Voilà le saut du chat. C'est parti. Voilà. Donc, il a très mal fini. Il a dû se faire mal quand même. Un peu. Voilà. Allez, on va prendre les deux prochaines vidéos maintenant. Les deux qui suivent. C'est un violoniste qui va être interrompu par une sonnerie de téléphone assez célèbre. Et vous allez voir comment il va s'adapter à la situation. Et on va avoir aussi un livreur d'UPS qui est assez... des méthodes assez particulières. On regarde les deux prochaines vidéos. Voilà, en période de Noël, ça fait plaisir. Alors, ensuite, les deux prochaines vidéos. Les deux prochaines vidéos, numéro 5 et numéro 4, avant d'attaquer le top 3. La numéro 5, c'est une vieille dame qui va se faire renverser, mais vous allez voir, miracle, elle n'a rien. Et puis, la numéro 4, c'est une personne corpulence assez forte qui va malheureusement être victime d'un freinage violent dans un bus. On regarde les deux vidéos suivantes. Voilà pour cette dame qui a fait une grosse chute. On ne sait pas du tout comment elle en est sortie. Voilà, allez, on continue avec le podium maintenant. Le podium. Alors, le top 3, le numéro 3, ça se passait sur M6. La personne s'appelle Alain et il croit aux extraterrestres. C'était une émission spéciale sur la fin du monde. Et vous allez voir, il a un petit grain dans la tête. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Reptilien. Des reptiliens.
genre l'espèce de lézard de 3 mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Selon vous, quelles sont les autres personnes connues, célèbres, qui sont des extraterrestres? Le prince de Galles, le fameux prince Charles. C'est un extraterrestre. Un hybride. C'est-à-dire? C'est un hybride de première génération entre reptilien, le fameux... Comment il s'appelle? C'est un croisement d'extraterrestres, le prince Charles. Et d'humains. C'est ce qui donne le premier croisement entre un humain et un extraterrestre. Ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Voilà, Alain qui fait très peur. Très attent, celui-là. Voilà, Alain qui est très effrayant, n'empêche. Bon, ouais. Allez, c'est son droit de penser aux extraterrestres. Le numéro 2, c'est une mode qui est venue en fin d'année 2011. C'était la mode du planking. Alors, on s'allonge en fait sur des endroits insolites. Donc, par exemple, si quelqu'un veut venir s'allonger sur le plateau, voilà. Donc, vous allez voir que cette américaine, elle a essayé de faire quelque chose d'assez original. Mais bon, elle a juste essayé. Voilà, la suite au ralenti. En tout cas, on espère pour elle qu'elle s'est pas fait mal. Oui, bah, à mon avis, quand même. Alors, oui, là, le numéro 1, c'est cette interprétation de Last Friday Night de Katy Perry par deux jeunes filles qui vont improviser des micros. Sauf que l'improvisation pour l'une d'elles est très ratée. Voilà pour cette première vidéo. Allez, c'est la fin déjà de ces vidéos insolites. Tout de suite, on va écouter notre artiste qui est là. Elle était présente lors de notre dernier direct en plateau, mais elle n'avait pas pu chanter dû à certains petits problèmes. Mais c'est chose faite, elle va pouvoir chanter maintenant. Et même deux fois, on accueille Frédéric Lopez qui va nous interpréter un de ses titres avant de nous rejoindre sur le plateau. Souffle pour partir de plus belle à la conquête où les espoirs sont permis de croire en moi, j'ai la foi, à ma montre la même heure que la tienne sur la même longueur d'onde. Nouveau souffle pour un nouveau départ. Gonflé un bloc prêt à poser mes empreintes sur le sable pour ne pas perdre trace. Oh, 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 pour ne pas perdre trace. Besoin de lumière pour un nouveau jour. Dans les voiles de mon bateau, vents et marées, à ressentir de nouveaux parfums et ouvrir mes bras à la vie. Sous une cascade de rires plongés, mon regard dans la nuit malicieuse, en prendre les étoiles célestes pour que se scelle mon destin. Nouveau souffle pour un nouveau départ.
trois blocs prêts à poser mes empreintes. Sur le sable pour ne pas perdre trace. Oh, 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 pour ne pas perdre trace. Nouveau souffle pour une illusion. Sur la pointe des pieds, me lève dans les airs. D'un pas léger, rempli de vie, à marcher pieds nus, pour me sentir cette terre. Alors, on aimerait bien parler dans les micros filaires, nous, c'est en plateau, si possible. Ouais, non, c'est bon, ça marche. Merci. Voilà, merci. Alors, bah, bravo, tout d'abord, merci beaucoup pour cette interprétation. C'est pas la seule, puisque on vous retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. Voilà, bah, merci beaucoup. Alors, je laisse Louane te poser quelques questions. Je sais pas si tu as. Ouais, comme voilà, tu veux. Donc, bah, vas-y, voilà. Bah, vas-y. Bah, je rentre. À partir de quel âge ça vous a pris l'envie de chanter? Oula, ça remonte pas loin. Ah, je dirais. À partir du collège, peut-être. D'accord, ok. À partir du collège, d'accord, donc c'était quand même tôt. Est-ce que c'est une vocation professionnelle, la chanson? Non, pas du tout. Disons que je la garde comme passion. J'ai un métier à côté qui me permet de vivre et puis je le fais pour le plaisir. D'accord. Est-ce que vous vous produisez sur scène? Est-ce qu'il y a des scènes qui sont prévues, des rencontres? Pas actuellement. D'accord. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, oui. D'accord. D'accord. Alors là, on vient d'écouter un des titres de votre album qui s'appelle Nouveau Souffle. Il est sorti quand, cet album, en fait? Jamais. Ah, il est jamais sorti, d'accord. D'accord. Bon. C'était un projet, d'accord. Donc, c'était un projet, il a été envoyé à un certain nombre de maisons de disques, mais... Sans suite. Sans d'accord. Suite, voilà. Et il comporte combien de pistes, cet album, en fait? Il y a 11 chansons. D'accord. Et est-ce qu'éventuellement, je ne sais pas si vous posez des questions, mais si vous faites des reprises, est-ce que vous faites des reprises des musiques célèbres, des musiques... Oui, bien sûr. Hein, D'accord. Non, pas dans cet album, il n'y a pas de reprise. D'accord. Vous avez déjà repris quelle chanson? Plein de chansons. D'accord, on va pas les énumérer toutes parce que ça prend un peu. Ça fait un peu long. Voilà, d'accord. Et donc, plutôt dans quel type de registre? C'est plutôt de la musique française, musique... Oui, chanson française. D'accord, de la chanson française. Majoritairement, oui. D'accord. Je ne sais pas si tu as d'autres... Bah, non, alors, juste pour nos internautes qui nous regardent ce soir et qui sont nombreux, on va vous dire juste... Il n'y a pas de chat sur notre page du site internet, ouais, sur la seule page disponible. Donc, en fait, vous pouvez aller sur notre page Facebook pour commenter toute l'émission de ce soir, poser toutes vos questions. On y reviendra tout à l'heure, hein, on a des nombreux points sur les internautes, donc vous pouvez poser vos questions aux artistes, justement, à tout moment. Et donc, on peut lire, nous, ici, les questions qui arrivent. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, j'en ai pas. T'as pas d'autres questions? Eh ben moi non plus. Donc on va vous retrouver tout à l'heure puisque vous allez nous interpréter un deuxième titre. Quel est le nom d'ailleurs de ce titre que vous allez interpréter tout à l'heure? Courir. Courir, d'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. On peut encore l'applaudir, je pense. On vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre, quant à nous, cette émission. Et qu'est-ce qui vient maintenant? Le premier jeu sur le chat. Le premier jeu sur le chat. Ah bah c'est parti, allons-y. Enfin, musique. Plus de chat, c'est pas grave. Musique, oui, c'est comme ça qu'il s'appelait à la base. Musique. Alors, les instructions vont vous être données sur votre écran. Donc, on va expliquer, nous, le jeu. Pour l'instant, que les instructions vont venir sur l'écran. Alors, je te laisse expliquer.
Eh bien, en fait, on va poser 5 questions musicales. Et les premières personnes à répondre eh bien, gagneront un des 2 CD de Britney Spears que nous avons ici. Voilà, ici. Donc, il y en a un. Pour chaque jeu, en fait. Et deux. Voilà. Donc, il y en a un qui sera remporté pour les personnes du chat, enfin, les internautes, oui. C'est-à-dire vous. Et un autre qui sera remporté. Dans pour les personnes dans le public, voilà, donc vous pouvez, ça ce sera tout à l'heure pour le public, voilà. Hein. Et vous pourrez même aider ceux qui participeront sur le public ici tout à l'heure. Donc, on vous expliquera les règles plus tard. Voilà, tout à l'heure. Donc voilà. Vous pouvez répondre par mail, donc vous répondez par mail, et l'adresse mail c'est jeu@tsitv.fr, donc vous allez répondre aux questions qu'on va vous poser tout de suite, je pense qu'on peut y aller. Donc on a combien de questions? On a 5 questions. On a 5. Voilà, 5 questions, donc je pense qu'on peut y aller tout de suite. On va voir juste, si vous pouvez nous envoyer des mails. Normalement que le chat ça va plus vite, mais là, on va voir. Voilà, si vous nous envoyez des mails. Sinon, bah, tant pis pour vous. Il y en aura 2 pour gagner pour le public, et puis voilà. Alors, bon, on attend. Pose la question, sinon ça viendra jamais. Voilà, c'est parti, les questions sont là. Alors, la première question, c'est quel est le vrai nom du chanteur Johnny Hallyday? Voilà, le vrai nom du chanteur Johnny Hallyday, donc c'est assez... Est-ce qu'il y a des gens qui savent dans le public? Oui. Ah, c'est dommage, hein, parce que vous ne pouvez pas répondre. Alors, alors les gens, les internautes, quant à eux, peuvent répondre, donc c'est pratique pour vous, donc répondez. Vous avez les instructions par mail à jeu@tsitv.fr, donc nous, on a les réponses qui viennent plus ou moins, donc oui. On va les avoir, voilà, les réponses. Donc nous on attend. Ouais voilà, on attend vos réponses. Et on a une première réponse qui est arrivée, il me semble. On la lit parce qu'avec notre Le temps qu'elle charge. La réponse charge. Donc vous pouvez continuer à nous envoyer vos... Mmh. Eh ben c'est arrivé, eh ben, oui, c'est bon, c'est arrivé. C'était Jean-Philippe Smet et c'est Alexandre sur le par mail qui a répondu. Ouais, donc Alexandre qui gagne un point. Je te laisse poser la deuxième question. Voilà. Alors, pour cette deuxième question, il va falloir compléter les paroles du groupe Indochine. Donc, les paroles sont « Égarés dans la vallée infernale, notre héros s'appelle ». Voilà, comment s'appelle le héros? Je pense qu'il y en a encore qui savent ici. Oui, voilà, tout le monde sait. Vos questions, vous, tout à l'heure, elles sont un peu plus dures, tout à l'heure, vos questions. Alors, on attend les réponses. Donc, on répète la question. Vas-y, répète la question. Non, voilà. Excuse-moi. C'est pas grave. Donc je répète la question, il faut compléter les paroles, donc les paroles sont « Égarés dans la vallée infernale, notre héros s'appelle ». Voilà, il faut dire le nom du héros. Le nom du héros, donc on attend vos réponses. Et on a, alors, on a des messages mais qui n'ont rien à voir avec le jeu. Alors, on attend vos réponses. Bien. Alors tout à l'heure, on aura d'autres petites chroniques, on aura les jeux vidéo, on aura le cinéma, on aura un chroniqueur qui va venir exprès pour le cinéma, on aura l'actualité média et puis on aura évidemment la chronique people et l'actualité du web. On attend vos réponses par mail, sinon on passe la question si elle est trop difficile. Redis-la quand même. Oh, non, on a 2 réponses, attends. Hop. Alors, c'est parti. Première réponse. On a l'impression d'être revenu il y a 20 ans quand on mettait 10 ans à afficher le message. Alors oui, alors il y en a une réponse qui est arrivée à 21h23. Oula, Moran, c'est écrit bizarre. Alors, Bob Moran, c'était la bonne réponse. Donc c'est Jean-Philippe qui remporte le point. Jean-Philippe, voilà, qui a bien répondu. On va poser maintenant la troisième question pour le chat. Alors, la troisième question, c'est avec quel autre artiste Madonna a-t-elle interprété son nouveau single qui est Give Me All Your Love? Voilà. Give me all your love. Donc, on n'a pas la musique de Give me all your love, mais oui, voilà, quel artiste a interprété alors, on a plein de réponses qui arrivent, mais en retard. En ce qui concerne la réponse, je ne sais pas si c'est la bonne qui a été donnée. Ouais. Donc, on attend les réponses. Voilà. Hop. Alors, Bob Moran, c'était la question d'avant. Le héros s'appelle Bob Moran. C'était la réponse d'avant. C'est Bob Moran. Ah voilà, on a des réponses, on a beaucoup de réponses qui arrivent, ça s'est débloqué. Nicki Minaj, c'était ça. Et oui, c'est la bonne réponse. Et c'est encore Alexandre qui marque un point. Décidément, Alexandre se dirige vers le CD de Britney Spears. L'album, il y a quand même 12 titres. Alors ouais, allez, on y va, c'est pas rien. Allez, pour la quatrième question. Alors là, on a une musique à lancer. Ouais. Attention. En quelle année le groupe Sins Emilia a-t-il interprété Tout le bonheur du monde? Musique, s'il vous plaît. Voilà. En quelle année cette chanson a-t-elle été sortie? On souhaite tout le bonheur du monde et
que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre. On nous dit 2006, ça n'est pas en 2006. Puisque l'avenir vous appartient. 2005, non, on se rapproche, mais. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là. Non, c'est l'écran 2005, on a les dates, mais c'est pas un bête. Tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. C'est très joyeux la musique avant. Ah, ça n'est pas en 2006 non plus. J'avais dit avant. J'avais dit avant, c'est pas grave, je donne des indices. 2004. Ah, voilà, enfin la bonne réponse. C'est bon, on peut l'arrêter. On va l'écouter jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, merci. Ah bah. Alors, c'est Jérémy M qui a la bonne réponse. C'était en 2004. Donc, Jérémy M qui marque. Un point, je te laisse poser la... Bah, la dernière question. Quel est le nom de la fille d'une des chansons de Superbus ? Voilà, alors dans une des chansons de Superbus, il y a le nom d'une fille. Voilà, ça tient en quatre lettres, donc là... On vous aide un peu, mais... On vous aide un peu beaucoup, donc là... Les réponses à Sinsemilia sont déjà arrivées, c'est bon, hein. Pas besoin de renvoyer vos réponses. Alors, on cherche donc le nom de la fille qu'il y a dans une chanson, qui porte son nom d'ailleurs à cette fille. Voilà. Donc, allez, ça arrive... C'est pas addiction, c'est pas non, addiction. C'est pas un nom, ça, mais bon. C'est pas addiction. Et c'est étonnant d'Alexandre, puisqu'Alexandre est un fan de Superbus, on connaît Alexandre. Alors, ça va arriver. Le nom de la fille qui est évoquée dans la chanson. Lola, voilà, Maxime Bobos qui a trouvé la réponse. La bonne réponse, donc Maxime... Je te laisse continuer, vas-y. Hein. Oui, donc c'est qui alors, ça nous arrange super bien puisque chaque personne a une bonne réponse. Ah bah non, c'est Alexandre qui a deux bonnes réponses, donc c'est Alexandre qui remporte l'album. On peut l'applaudir, Alexandre. Bravo, Alexandre. Bravo, ouais, bravo. Alexandre, l'album. On te l'envoie. Est pour toi, voilà. Une ovation pour Alexandre. Allez, on va continuer quant à nous puisqu'on a pas mal de choses à voir tout de suite. On va voir l'actu web qui va commencer. C'est parti pour l'actu web. C'est parti. Alors l'actu web, c'est un petit peu les buzz qu'il y a eu l'actualité high-tech de ces dernières semaines. Alors le premier buzz qu'on a trouvé, nous, c'est le buzz de Free Mobile. Donc Free Mobile, il y a eu un buzz avant la sortie des offres et donc les internautes se sont amusés à faire des hypothèses sur les futures offres. On a encore des réponses qui arrivent en retard. Alors on a une photo, il me semble. Je sais pas si on a la photo, si c'est possible. Voilà, on voit rien, mais c'est pas grave. C'est pas donc grave, on a quand même. On a la photo où il y avait des offres n'importe quoi. On proposait des prix 2 € pour un forfait du télémité. Enfin voilà, il y avait de multiples hypothèses sur ces forfaits. Autre buzz important, c'est l'arrêt de Mega Upload. Mega Upload qui a été arrêté par le FBI. Donc il y a eu vraiment un gros buzz là-dessus. Il y a la communauté Anonymous qui a attaqué le site du FBI, qui a été réparé en quelques heures, qui a attaqué aussi plein de sites français, dont le site d'Adopi. C'est la haute autorité d'Internet qui est censée réguler tout ça. Donc bon, là, le site a mis quand même quelques jours à se remettre en route. Puis bon, ça embête quand même les internautes. Il n'y a plus de possibilité de télécharger et de partager des fichiers. Puis aussi, les Anonymous évoquent aussi le projet de l'ACTA qui vise à modérer un petit peu tout l'Internet en général. Allez, un peu plus high-tech encore, c'est Skype. Ça concerne Skype, le logiciel de vidéoconférence. Alors, Microsoft qui avait racheté Skype annonce qu'il y aura bien une version sur Windows Phone. C'est assez étonnant parce que Microsoft n'avait pas sorti de version sur Windows Phone. En parlant de Windows Phone, il y aura la version 8 qui arrive bientôt, dans quelques semaines ou dans quelques jours, on ne sait le pas trop. Le 8 déjà, ça va vite chez Windows, il faut corriger les bugs. Alors, allez. Beaucoup quand même. Et le principal concurrent justement de Microsoft, on l'évoquait, de Windows, c'est Apple et qui nous parle de l'iPhone, enfin c'est une rumeur sur l'iPhone 5, il devrait sortir en juin 2012 à une conférence qui s'appelle la Worldwide Developers Conference 2012, donc en juin normalement, ça parle d'un écran plus large et peut-être même une épaisseur plus fine, avec peut-être même une coque arrière en aluminium. Bon, on sait pas, c'est des rumeurs, des rumeurs. Avec Apple, voilà, c'est toujours très, très, très secret.
Voilà, en ce qui concerne l'actualité geek un petit peu de ces dernières semaines, on pouvait évoquer un petit peu tout ça. On va continuer tout de suite. On attend vos messages sur le mail, puisque vous êtes nombreux sur le mail. Ou sur Facebook. Ou sur Facebook, on va faire un tour tout de suite. On va faire un petit point de chat, tiens. Enfin, un point de chat. Oui. Allez, c'est parti. Voilà, alors sur le chat, eh bien écoutez, alors dans les messages, on a eu beaucoup de monde dans les messages, donc on va dire les noms qu'on a eu sur les... Je te laisse dire, tiens, vas-y. Eh bien, nous avons eu un message de... T'as des lunettes pourtant, hein. Oui, Pablo. Pablo Skiba. De... Pablo, c'est pas drôle, mais bon, Pablo, ça me fait marrer. Pablo Skiba sur le mail. On a Jérémy aussi. Ouais. Voilà. Alexandre Le Breton aussi, Alexis Martinez. On n'est pas obligé de dire les noms quand même, parce ouais. que... Vas-y, donc Alexis, voilà Maxime. Descends. Thomas, Kevin aussi. Voilà, et puis Nathan aussi, ouais. qui participe ce soir. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou à chatter avec nous sur Facebook, on vous répond, on est là pour ça. Allez, on va continuer avec ta petite chronique. Bah, c'est, ouais, ma chronique People. La chronique People, c'est parti, on peut y aller. La première actu people de ces derniers jours, c'est la mort de Whitney Houston. On a un petit son pour ça normalement. Ouais, mais bon. Normalement. Donc elle a été retrouvée dimanche dernier, noyée dans sa baignoire. Les funérailles ont lieu vendredi prochain à New York. Par contre, John Warwick, sa cousine, ainsi que Sissy Houston, donc sa mère, aurait préféré que la chanteuse soit enterrée à Atlanta. Bon. Maintenant, nous allons parler de Adele, la jeune chanteuse britannique de 23 ans qui a récemment remporté 5 Grammy Awards. Elle a aussi fait la une du magazine Vogue US. Voilà, en ce qui concerne Adele. Et bien maintenant, nous allons parler un peu de cinéma. Avec le film The Artist qui continue à rafler tous les prix. Le dernier, c'était pour Jean Dujardin. Il a reçu un BAFTA, donc c'est l'équivalent de l'Oscar, mais à Londres. Le film est toujours disponible dans quelques salles en France si vous voulez le voir ou le revoir. Maintenant, nous allons parler de Victoria Beckham qui, depuis qu'elle est maman, est plus épanouie que jamais. Ça nous a fait rire comme news, ça. Parce que, oui, bon, ouais. Elle a d'ailleurs rendu un hommage à sa fille. En donnant le même nom qu'elle, donc à son sac, elle l'a appelé le Happer. Voilà, elle a donné le nom de sa fille à son sac. C'est original, quoi. Bon. Oui, c'est original. Ça. Voilà. Et la dernière info, c'est ça parle du groupe Indochine qui, en 2002, il avait sorti l'album Paradise et cette année, il ressort une réédition, donc Paradise plus 10. Donc. Voilà, un nouvel album. Il y a des remixes, il y a des chansons. Bon, c'est un peu quand même pour se refaire du pognon, mais bon, on va pas se le cacher. Mais bon, oui, bon c'est des petits remixes sympas qui ont été faits. Voilà. On a écouté, c'est quand même pas trop mal. Alors, on va passer maintenant à autre chose. On est habitué à faire des expériences insolites avec des expériences qui marchent pas. Des expériences scientifiques, des trucs avec de la fumée, des trucs comme ça qui marchaient pas. Donc, on s'est dit pourquoi pas utiliser les nouvelles technologies. Donc, on a trouvé des petites applications sympas. Sur l'iPhone. Voilà, sur l'iPhone. Donc, on va utiliser tout ça. Alors, je sais pas si niveau micro ça va marcher. On va mettre un jingle. Voilà. Voilà. Alors, on a trouvé des petites applications sympas. Peut-être aller les faire tester au public. Donc, alors. Ouais, on va aller dans le public. Ah non, oui, justement. Erwan, viens voir. Viens voir. On peut l'applaudir. Ouais, voilà, on l'applaudit. Je peux faire des salles. Alors, viens voir. Non, mets-toi là. Tu vas nous aider. Alors, on t'explique. On a trouvé des petites applications sympas pour toi à tester. Alors, Erwan, que vous retrouverez tout à l'heure dans la chronique cinéma. Voilà. Tiens, on a encore un message. On a encore des messages, mais ça n'arrête pas. Alors, est-ce qu'on peut voir Erwan? Non. Bon, c'est pas grave. Donc. Voilà, je suis en train de lancer des musiques. Alors, Erwan, voilà qu'on voit Erwan qui est très en forme ce soir. On t'entend ? Oui, c'est bon. Ça marche. Ça marche. Voilà, donc, alors, je vais te faire une petite application. Donc, on a trouvé, ça s'appelle Songify. Si vous voulez essayer, c'est sur iPhone, sur l'Apple Store. Donc, alors, il suffit de taper. On enregistre une voix. Alors, tu sais quoi ? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rapprocher. Moi, je vais prendre mon micro et je vais le mettre sur le son. Alors, en fait, il suffit de dire une petite phrase, n'importe laquelle, vous dites une phrase. Donc, t'es prêt ? T'as une phrase dans la tête là ? Courte, hein ? Voilà. Et donc en fait, ça va prendre une mélodie, ça va transformer la phrase que Erwan va dire en une chanson. Alors ça peut être étonnant des fois si on dit des trucs assez insolites. Alors vas-y, je te laisse dire quelque chose. Attends. T'es prêt ? Attention, c'est parti.
je chauffe la salle. Chauffe la salle. Voilà, et donc chauffe la salle. Chauffe la salle. Chauffe la salle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi changer la mélodie. Donc, attends, tu vas nous redire une phrase parce que celle-là, elle est un peu trop courte. Donc, est-ce que t'es prêt à un truc plus élaboré, toi? Bon. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, on y va, c'est parti. Et top. Nous sommes en direct avec David et Anne-Lou. Non, Lou-Anne. Voilà, et donc. Nous sommes en direct avec David et Anne-Lou. Voilà. T'as merdé un petit peu sur les prénoms, mais on t'en veut pas. C'est pas grave, j'en veux pas. Voilà, donc l'application qui permet. Vous pouvez la tester, vous d'ailleurs. Hein, si vous avez des petits. Tester dans le public ou pas? La tester dans le public? Est-ce que quelqu'un veut la tester dans le public? Ok. D'accord, c'est fait. D'accord. Personne ne veut tester l'application. Personne a une phrase à dire là. Personne, d'accord. Allez, personne veut. Venez. Applaudissez, encouragez. Alors. Bah, c'est bon. J'ai plus de batterie. Alors, comment. On va faire vite. Alors, comment tu t'appelles? Adrien. Ok, alors Adrien, tu vas venir ici, tu vas te mettre prêt, et on va t'entendre dire une phrase. Donc, tu dis n'importe la phrase que tu veux, t'es prêt? Alors, tu te rapproches, je vais vraiment mettre ta bouche ici. Alors, tu me dis quand t'es prêt. T'es prêt? T'as une phrase dans ta tête? Non. Non? Alors, on va attendre que t'aies une phrase. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Tout à l'heure, on aura l'actualité des jeux vidéo, d'ailleurs, on va vous parler des prochaines sorties. C'est bon? C'est bon? C'est parti. Alors, t'es prêt? On approche. Attention, c'est parti. Il y a bientôt le jeu? Eh ben oui, attends, alors on va voir. Ah bah, l'application a quitté, alors c'est très c'est stable. Pas grave, on va recommencer. Alors, tu vas redire ta phrase, c'est parti. Il y a bientôt le jeu. Et donc là, l'application va. Il y a bientôt le jeu. Et donc ça prend. Il y a bientôt le jeu. Voilà. Donc après, évidemment, ça peut faire des mélodies assez bizarres, surtout si vous dites des trucs un peu insolites. Merci. Bon bah merci beaucoup. Encore l'applaudir, voilà. C'est. Très sympa, on retrouve. T'en as d'autres applications ou pas? Pardon? T'en as d'autres des applications à faire tester? Ouais, mais ça va être un peu plus loin à tester là, quoi qu'on a le temps hein, après si, tout. Si, on a le temps. Alors, une autre application à tester. Alors, ça, on va refaire venir Erwan tout à l'heure. Non, mais reviens maintenant en fait. Ouais, allez, vas-y, reviens. Allez, donc, on a un petit perroquet qui s'appelle Talking Pierre, donc Pierre le perroquet. Et donc, Pierre le perroquet en fait va répéter ce que tu vas dire dans un premier temps et des fois il va mélanger les phrases que tu vas dire. Donc, on va te faire dire, allez, 4-5 phrases, d'accord? Tu prépares. T'as c'est dur, phrases, hein, là. C'est dur. Alors, on va. Alors, si vous voulez mettre des messages sur Facebook, si vous voulez... avez des idées de phrases, au pire, dans le public aussi. Voilà, ou les internautes, hein, si vous avez des idées par mail de phrases qu'on peut dire, n'hésitez pas. Ça met toujours un peu de temps à venir sur le chat parce qu'il y a un petit décalage. Alors, on nous dit que le son est trop fort, on n'entend pas la nana parler. Alors, toi la nana, donc. J'imagine. J'imagine aussi. Voilà. Donc, tu vas dire les phrases du. D'accord. Tu vas dire les phrases du prospectus qu'on a pour le public, après tout, hein. Allez, t'es prêt? Okay. Il est prêt. Tu sais lire? Non, ça va? Bon, allez, c'est parti. Donc, voilà, on voit Pierre qui est là. Pierre qui... Merde. Alors, Pierre... Putain, voilà. Donc, t'es prêt? Est-ce que tu es prêt? T'es prêt? Vas-y, parle. Veillez à éteindre votre téléphone avant le début de l'émission. Veillez à éteindre votre... Voilà, et donc, alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'autre micro, parce que toi, on t'entend pas quand tu parles. Très, très discret, la discrétion. C'est pas ton truc. Hein. Voilà, tu vas le prendre à la main. Voilà. Donc, bon, voilà, alors, donc, tu vas, on va pas s'en sortir, tu vas dire ce que... Voilà, donc tu vas dire ce que t'as à dire, et moi, je vais mettre le micro là-dessus. T'es prêt? Très bien. Allez, c'est parti. Tu dis plusieurs phrases, hein. On écoute. Déposez vos affaires à l'accueil du public. Tu vas, Voilà. Évitez de quitter le plateau durant l'émission, ou faites-le avec discrétion. Évitez de quitter le plateau durant l'émission. Évitez les bavardages durant l'émission. J'ai des phrases ici. Évitez les bavardages durant l'émission. Évitez les bavardages durant l'émission. T'es prêt? Veillez à sourire durant toute l'émission. Donc ça donne des groupe, ça donne des phrases un petit peu mélangées. Merci Erwan. Bon. Ouais, merci non alors ça se met pas comme ça. Il a découpé le matériel. Voilà c'est bon. Tout. Parfait. On te retrouve tout à l'heure pour donc combien de temps? Oh, on te retrouve vers la fin de l'émission
pour la chronique cinéma. On a des messages qui sont arrivés depuis tout à l'heure ? Bah, il y avait des idées de phrases. On avait des idées de phrases, d'accord. J'ai envie de manger des micados, j'ai très faim, bon, beaucoup de bouffe. Hein. Ouais. Alors, les gens ont faim, je sais pas, c'est... vous étiez où ? C'est pas l'heure pourtant. On vous voit pas. Bon, allez, on va continuer avec... avec ce qu'on attend depuis le début de l'émission. Je vais remettre mon micro là. Bah vas-y. Alors, en fait, on va vous expliquer. Au début de l'émission, on a donné à toutes les personnes du public un petit papier. Un petit papier avec un numéro. Avec un numéro. Vous pouvez le sortir. Donc, on va vous expliquer comment ça va fonctionner. Il y a deux personnes qui vont venir ici. Donc, on va donner un micro sans fil à une des personnes. Est-ce qu'on peut m'emmener l'autre micro sans fil ? Je ne sais pas où il est. Donc, si on a l'autre micro sans fil, ben, on le donnera au public. Non, mais c'est... Vas-y, non, mais tu sais, on fait tout pour nous ici. Voilà. Bon, donc, en fait, on a... On va avoir deux personnes dans le public qui vont être sélectionnées grâce à leur numéro, qui vont venir ici. Il y en a une qui va avoir l'aide. Alors attends, en fait, j'ai oublié de faire un truc. Donc, voilà, merci. Donc, voilà. Donc, je te laisse expliquer. J'ai oublié de tirer un truc. Vas-y. Vas-y. Donc, nous avons les mêmes numéros sur le plateau et on va en tirer deux au hasard. Et les deux qui ils vont participer avec nous, un aura l'aide du public. Et l'autre aura l'aide du chat, enfin, sur Internet. Quoi. Voilà, des messages par mail. Donc, on va sélectionner... Tiens, je te redonne le 10. Oui. Donc, les numéros vont de 1 à combien ? De 1 à 10. D'accord. Donc, on va y aller. Je te laisse tirer des numéros. Ouais. Sous contrôle d'un huissier, évidemment. Allez, c'est parti. T'es prête ? Alors, numéro 7. Le 7. Qui, le 7 ? C'est moi. Eh ben, allez-y. Allez, je vais vous installer. Et le 5 ! Le 5, numéro 5. Personne n'a le 5. Elle n'a, vous n'avez pas de voix, d'accord. Ah. Bon, bah, j'en tiens un autre alors. Je parlerai pour la 7. Non, bah, montez-le, voilà. Non, mais je vais en prendre un autre, voilà. Voilà, est-ce que ça marchait ? Oui, ça marche, on vous entend, oui. Je reprends un autre. Bah, allez-y, madame, allez-y à sa place, c'est pas grave. On va faire des échanges de chiffres. Allez, non, mais allez-y. Ou les deux si vous voulez, hein, tant qu'à faire. Bon, donc, on va faire tirer deux numéros. Lequel veut tirer les numéros ? Ah bah tout le monde dit, le public se déplace. Vas-y, t'as pas de voix, alors tire ton numéro. Alors, elle va chuchoter. Alors, vous tirez à des numéros. Si vous tirez sur le chat, ça veut dire que les réponses qui seront données par les internautes qui nous regardent, si quelqu'un trouve la réponse avant le public qui est ici, vous gagnez. Si c'est le public qui est ici, donc si vous tirez le public, c'est le public qui trouve la réponse, c'est vous qui remportez. Évidemment, vous aussi, vous pouvez jouer. Donc, vous avez compris. Ouais, jusqu'à là, ça va. Ouais. Ça va, d'accord. Alors, je vous laisse tirer un numéro, enfin un papier, voilà. Je vous laisse ouvrir. Vous me dites ce qui est marqué dessus. D'accord, le public. Donc, vous avez l'aide du public et vous avez l'aide du chat. L'aide des internautes, voilà. Qui vont vous être, à mon avis, très utiles. Alors, on va attaquer les questions. Donc, pareil, on joue pour un album de... On peut cadrer. Ça va arriver. Donc un album de Britney Spears qui va arriver. Comme tout à l'heure, quoi. Donc. Voilà, qui va arriver. Donc vous allez le voir à votre écran. Donc bon, c'est pareil. Hein, ça reste un album. Ils veulent bien faire un zoom dessus. Ça va se faire. Voilà. Le zoom. Voilà. Donc on va avoir. Vous donnez pas les réponses. Hein. Attention. Hein. Bon, sommeil. C'est bon, ça marche. Tout fonctionne bien. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un micro dans le public ? Voilà. Donc. Quand il y a une bonne réponse ici, vous jetez sur le monsieur là-bas qui a le micro, donc monsieur là-bas qui vous fera parler dans le micro. Voilà. Non, mais tu reprends le micro comme ça, si quelqu'un lève la main quand quelqu'un a une réponse, c'est comme un jeu de télé, voilà. Tu l'as allumé le micro ? Tout est bon ? Oui, s'il est éteint, c'est que je te demande de l'allumer. C'est bon ? C'est bon. Voilà. Alors, on va poser les questions. Alors, ça va être de la rapidité, hein. Très rapide. Ouais, je sais pas. Le monsieur qui a l'affût. Alors, attention, vous êtes prêts ? Première question, c'est parti. Quelle est la capitale de la Corée du Nord ? Pyongyang. Pyongyang, oui, allez, c'est Pyongyang, mais bon, on s'en fout. Pyongyang. J'ai pris coréen en première langue. Excusez-moi. Je vais faire quelques mots de coréen, non ? Comment... Non, ça s'arrêtera là. D'accord, ok. Alors, monsieur gagne un point. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom, s'il vous plaît ? Christophe, d'accord. Christophe qui gagne un premier point. Allez, on prend la deuxième question. Ils ont donné la bonne réponse, les chatters ? Alors, les chatters ne nous ont pas encore donné de réponse, donc ça va arriver. Ils sont pas très actifs. Ils sont pas très actifs pour l'instant, les chatters. Ils sont pas actifs du tout. Donc, on va prendre la deuxième question. Ça parle de mythologie grecque. Donc, dans la mythologie grecque, qui était le dieu du vent ? Eos.
Éole. Éole, oui, oui. Éole, encore. Allez, troisième question. Qui présente les anges de la télé-réalité? Laquelle de les anges de la télé-réalité? Ouh là là, ça devient compliqué là. Non, mais non, le présentateur de l'émission. Alors, passe un micro, passe un micro. Nico Saligas. Non, pas Nico Saligas. Et les chatters, ils disent quoi? Les chatters, alors les chatters. Nous, on a des messages, de toute façon, ils arrivent automatiquement, les messages. Donc, On en a deux. Non, mais je sais pas si c'est les... Oui, top. Oui. Les chatters ont trouvé pour vous. C'est Mathieu Delormeau. Voilà, donc encore un point pour vous. De toute manière, vous avez gagné puisqu'il reste deux questions. On les fait quand même, les autres. Voilà, allez. Est-ce qu'il y a des fans de Harry Potter? Ok, donc on s'en remet au chat. Attention. Donc, chez qui Harry Potter va-t-il acheter sa baguette magique? Ah, alors là, c'est le nom de la personne. Chez qui va acheter sa baguette magique? Personne ne sait. Mulder. Non. On a trouvé des faux prénoms. On n'a pas fini. Surtout si vous trouvez des prénoms coréens, non, ça va être compliqué. Bon, eh ben, le chat pour l'instant ne dit rien. Bon, on a des petits bruits, c'est sympa. Alors, et sur Facebook? Rien. Sur Facebook, on n'a pas grand-chose non plus. Dans le public? Albus Dumbledore? Non, c'est pas Albus Dumbledore qui est dans la boutique au début. C'est dans le premier épisode où Harry Potter. Nous avons un message. Fortifère. C'est pas Monsieur Poppers. Non. C'est autre chose. Là, le chat peut aller sur Internet, c'est facile. Hein. Nous, on peut pas trop parce qu'on mettrait 5 jours pour arriver à la réponse vu le débit, mais bon. Alors, on n'a pas de réponse. C'est la crise, oui, mais bon. Alors, toujours rien. Rien dans le public. Ah, vous cherchez sur... Ah, vous aussi, ah, bah, ça triche en plus. Allez-y, si vous avez des trucs à sortir. Alors. C'est bien, on attend que Google trouve pour nous. Alors, personne trouve sur le chat. Enfin, sur le... Je peux appeler un ami? Eh oui, nous avons c'est la réponse. C'est bon, nous avons la réponse. Et on l'a. Si vous avez... Ah non, mais ça a été donné avant. Oh non. On a deux réponses. Non, c'est attends, oui, qui vous est laissez... Harry Potter, c'est ça? Vous à qui ça? C'est qui? C'est ça ou pas? Je dis que... C'est monsieur quelque chose. Monsieur Wiki... The Wizarding World, non? Non, on n'a pas trouvé ça du tout, nous. Alors là, c'est le chat donc, qui a trouvé pour vous, c'était monsieur Ollivander. Donc encore un point pour vous. Oui, Ollivander. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a des fans de Star Wars? Un peu. Un peu, pas beaucoup. On y va, on va voir. Alors, dans Star Wars, qui tue Jabba? Jabba, le gros monstre, la grosse larve là. Alors, qui c'est qui le tue? Han Solo, Luke Skywalker. Oui, Luke Skywalker. On fait tous les personnages, ça va vite. C'est Luke Skywalker. On peut applaudir Christophe qui a remporté toutes les réponses. Oui, c'est bon. On l'applaudit, voilà, ouais. Christophe, bravo. Christophe, vous remportez l'album. Allez-y. Merci. Mais avec plaisir. Donc, on vous laisse. On laisse madame reprendre sa chaise pour qu'elle se remette dans la rangée. Mon dernier CD avait été offert par TSI. Voilà, bah c'est bien. Je suis le plus grand gagnant de la chaîne de télé. Je suis à mon troisième lot. Voilà. Je mets 203. Voilà, bah voilà. Allez, on vous retrouve tout à l'heure le chat. Merci. Jingle. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on a, Louane? Nous avons l'actu des jeux vidéo. L'actu des jeux vidéo, c'est avec moi. Est-ce qu'on met un jingle pour avoir l'actu des jeux vidéo ou pas? Ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il y a des fans de jeux vidéo dans la salle? Non? Non? Un peu? Oui, ils jouent, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Voilà, donc ils sont tellement fans qu'ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Ah bah, donc... Donc, message. Alors, je vais vous parler de plusieurs jeux vidéo. Donc, il y en a 5 qui vont bientôt sortir. Le premier, ça pourrait intéresser les geeks, les geeks. Donc, voilà. C'est Halo 4. On a peut-être une vidéo qui va arriver. Halo 4, c'est c'est une longue série en fait. Halo. J'aimerais bien qu'on voit la vidéo parce qu'elle est intéressante. Voilà, Peggy 16, donc bon, c'est jamais respecté, mais on en met quand même. Donc voilà, on voit un petit peu, c'est dans la galaxie, donc en fait ça se passe autour d'un nouveau monde, puisqu'on sait qu'Halo s'est construit autour de plusieurs mondes,
et ce sera centré sur la femme qui est le personnage en fait central, qui s'appelle Cortana. Donc l'histoire reste complètement mystérieuse, on n'a pas du tout le synopsis, on sait juste que ce sera sur une nouvelle planète. On va regarder encore 5-10 secondes de la vidéo, histoire que vous voyez bien comment ça se passe. Donc là on voit, ça se dirige vers le nouveau monde. Voilà, donc ça va commencer. Voilà. Le personnage central qu'on retrouve évidemment, Cortana, dans un vaisseau qui est en train d'exploser. On a des messages bizarres sur les mails. Bizarre quand même. Allez, on va continuer avec un autre jeu qui ravira aussi les fans, c'est BioShock Infinite 2. Alors ça nous entraîne en 1912, je sais pas si on peut voir la vidéo. Voilà, donc pareil, les avertissements obligatoires. Donc voilà, on va voir la vidéo. Donc c'est un jeu qui est pour la cœur volante. Qui s'appelle Colombia. On peut baisser cette notion de. Voilà, donc le personnage central est censé protéger cette femme. Et il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire. Il y avait le 1 déjà qui avait bien marché, mais le 2 est encore plus attendu. Donc on va voir, il va y avoir beaucoup d'action, hein, c'est pas comme ça tout au long du jeu. Donc en fait, le joueur incarne une sorte de détective chasseur de primes qui s'appelle Booker DeWitt. Disons, la mission en fait est de retrouver donc, la jeune femme disparue que vous venez de voir il y a 15 ans. Donc quand il la retrouve, après il doit la ramener à un endroit, donc c'est très compliqué. Le jeu est très beau, comme vous voyez, les graphismes sont très soignés et le gameplay a l'air très très intéressant. C'est pas le jeu le mieux fait de ce que je vais vous présenter après. Donc voilà, on voit c'est très soigné. Ce sera sur console, par contre. Ce sera sur console. Voilà. Je pense qu'on l'a vu. On l'a vu donc un jeu qui se déroule en 1900 avec une cité volante. Paradoxal. Voilà. La cité volante. Le troisième jeu que je vais vous présenter, c'est Diablo 3. On a plein de messages qui arrivent. Diablo 3, c'est. On va voir la vidéo aussi. La vidéo, c'est juste une bande annonce. C'est pas tiré du jeu directement. Donc on prend place en place en fait dans un univers qui est inspiré de Dark Fantasy et qui en fait part d'événements déroulés 20 ans après la fin de Diablo 2. Donc, on se créera la route par 5 classes disponibles. Saga entre guillemets, enfin autour de ce personnage, il s'agit d'un nouveau Tomb Raider, donc on va voir la bande annonce qui est très spectaculaire, extrêmement spectaculaire. On retrouve Lara Croft, on va voir Lara Croft moins 18, elles sont encore plus. Donc Lara Croft qui va être entièrement relookée, qui a été entièrement relookée en 3D et qui est âgée de seulement 21 ans. Donc vous allez voir, elle est sur un bateau, elle va se retrouver dans un naufrage. On peut peut-être mettre le son parce que c'est très intéressant le son. Voilà, on va voir. Voilà, donc elle est sur ce bateau. C'est un petit set. I finally set out to make my mark. Voilà, vous avez les outils. Bonne lecture. To find adventure. But instead, adventure found me. Something that keeps us going.
Donc on nous avertit qu'en fait le jeu pourra surprendre les fans. Il y a beaucoup d'actions. Ils sont tournés uniquement autour de ce de personnage. Et surtout ce qui apparaît dans ce qu'on voit à l'image, c'est l'esthétique qui est hyper travaillée, surtout sur la l'héroïne, Lara Croft. Donc il y a aussi beaucoup de violence dans certaines scènes, paraît-il. Des graphismes situés, un gameplay novateur vis-à-vis de la saga, donc il y a de quoi véritablement s'emballer là-dessus. Voilà, on voit la suite en avance qui est assez spectaculaire. Vous pouvez découvrir la suite sur des sites de jeux vidéo, on voit un lien d'ailleurs en bas de la vidéo. Voilà, voilà pour cette vidéo. La dernière que je vais vous parler, donc c'est la suite d'une longue saga. Il y en a sûrement qui nous regardent qui ont une petite idée. Alors, en fait, on ne sait pas vraiment s'il va sortir en 2012. C'est, on va lancer la vidéo, c'est le fameux jeu. Bah, vous aurez reconnu le logo, voilà, GTA V qui devrait sortir en 2012, donc encore beaucoup de violence au rendez-vous. Donc en fait ça ramènera dans la région de Satandra, c'est-à-dire l'avant-dernier opus. Donc ça nous ramènera vers les aventures d'un personnage qui s'appelle Carl Johnson. Donc en fait le jeu présentera une partie restreinte de la salle, c'est uniquement Los Santos et ses alentours. Faut bien préciser et ses alentours, parce que les joueurs avaient dit que bon, c'était dommage qu'il n'y ait plus de campagne, qu'il n'y ait plus de... Voilà, c'était que la ville dans GTA 4. Donc bon, là, on renoue un petit peu avec les origines de la saga. Donc, zone rurale qui font un petit peu le bonheur de GTA. On apprend aussi, d'après les studios Rockstar, donc c'est ceux qui éditent le jeu, qui s'occupent de ce jeu-là, que d'après eux, ce sera le titre le plus vaste et le plus ambitieux jamais créé par le studio. Voilà, ce qui concerne GTA. On peut peut-être regarder quelques secondes la bande-annonce, on va passer. Sans beaucoup de violence. Voilà, en ce qui concerne GTA V. C'est tout pour les jeux vidéo. On peut passer à la suite. On a des messages, donc on va faire un petit point sur les messages. Voilà, donc on va continuer avec vos messages. Donc on a quelques messages qui sont arrivés. Bon, vous nous avez signalé un petit problème de son. Bon, mais on nous a dit c'était revenu. Voilà, c'était revenu à la normale. Vous ne nous avez pas parlé de... vous avez pas parlé de Peggy 16, oui, bon, vous nous parlez des... Oui. Des... Voilà, donc bon, c'est pas des messages forcément très simples. On nous a dit que tout à l'heure le monsieur tout à l'heure était barbu, on nous a dit, voilà, je sais pas si le monsieur veut réagir, mais bon, le chat réagit beaucoup sur vous. On a, voilà, en tout cas, ce qui concerne. Qui se cache, voilà, bon, bah voilà, je redis parce que on n'entend que parler de micro. Ah, il se lâche, bah oui, mais, voilà, donnez le micro à monsieur va s'exprimer là, monsieur va se défendre. Voilà, non. Mettez le micro pour qu'on, voilà, qu'on vous entende. Je ne vais pas me défendre, je me sens pas attaqué. D'accord, voilà. Donc on nous dit, voilà, bon, on nous disait voilà. Quelques messages sympathiques. Voilà. On va continuer avec l'actualité média. Ah voilà, là encore une belle chronique qui s'annonce. On fait un jingle et on arrive vers vous. De la musique avec la table, ça fait comme des tambours. Allez, chronique média. Alors j'ai cherché un petit peu les vidéos qui ont fait le buzz dans la sphère médiatique. J'en ai trouvé 4. Donc la première, c'était la cérémonie des Globes de Cristal sur France 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé dans la salle les Globes de Cristal sur France 3? Je pense pas, vu l'audience que ça a fait. Non. Donc les Globes de Cristal, c'est une cérémonie qui est relativement classique, qui est relativement ennuyeuse, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'audience, mais c'était sans compter l'animateur qu'ils ont mis pour cette émission France 3. Ils ont dégainé Julien Lepers qui s'est cru dans Question pour un champion. Regardez comme il annonçait les films, c'était absolument énorme pour cette émission. La troisième personnalité préférée des Français après Noah, après Zidane, c'est Omar Sy. Salut Omar. Intouchable qui arrive dans les trois meilleurs films de tous les temps, qui se hisse à la troisième place derrière Titanic numéro 1, Les Ch'tis numéro 2, Intouchable numéro 3. Ouais, voilà. Donc Julien Lepers qui était très 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 en forme, mais bon, ça n'a pas su faire remonter l'audience. Il a stagné assez bas. Allez, deuxième vidéo, ça se passe dans le petit journal de Canal+. Ils ont suivi Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle, qui organisait une grande action. Bah, on va voir justement cette action. C'est assez drôle.
Chez Nicolas Dupont-Aignan, quand on fait une opération péage gratuit, on se donne rendez-vous, devinez où ? Après le péage. Du coup, vous êtes après les barrières. Oui, du coup, on paye le péage et on retrouve un Nicolas Dupont-Aignan qui a payé le péage et qui balance ses sources d'inspiration. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est le film de Robin des Bois, en fait. Robin des Bois, nous allons faire une opération péage ouverte. Voilà. Et tout d'un coup, une déclaration de Robin des Bois. Si je suis élu... Et voilà. Allez, c'est gratuit. Voilà, c'était la déclaration de Robin des Bois. Ah donc, Robin des Bois, il ira jusqu'au bout. Il n'a pas peur. J'irai en garde à vue symboliquement dans tous les Français. Il ira jusqu'à la garde à vue s'il le faut et 2 minutes plus tard, les flics arrivent. Bonjour monsieur. C'est une opération péage gratuit. Oui. Bonjour. Devant toute la presse française. Et ça va, mais rassurez-vous, on fait les choses symboliquement. Voilà. Bon. Attention, là, on va lever le camp parce que on resterait bien toute la journée là. Voilà, on restera bien toute la journée, mais il y a les flics, donc on se casse. Allez, troisième vidéo qu'on a trouvée, c'était sur Europe 1, c'était hier matin. La matinale recevait François Bayrou. Et donc, Monsieur Bayrou qui a fait face à Jean-Pierre Elkabbach, qui lui a posé des questions, qui a eu des petits accrochages. Et dans la matinale, il y avait un imitateur, vous allez le découvrir. Du coup, tous les accrochages ont été imités après, ça donne ça. Mais quelles dépenses ont réduit ? Jean-Pierre Elkabbach, si vous m'écoutiez. Non, mais alors, je ne fais que ça. Eh bien. Et je n'entends que des diagnostics. Je veux des réponses pour les Français qui vous écoutent et qui vous aiment bien. Ça y est, je peux parler maintenant ? Attendez, laissez-moi parler. Ouais, non, j'entends que des diagnostics. Je voudrais des diagnostics, j'entends pas de réponse, j'entends que des diagnostics. Ah, le blanc, on y a droit. Le blanc historique. Oui. C'est un blanc pédagogique, en réalité. Ça, c'est le vrai qui parle. Ça y est, t'as fini ton petit numéro ? Tu es content, Jean-Pierre, t'as plombé l'ambiance. En plus, un jour Saint-Valentin. Se déchirer ses tristes comme ça devant tout le monde. Ouais, mais au moins, moi, j'ai réussi mon coup, c'est l'interview. Oui, du verbe interview, oui. Avec le plus long silence de l'histoire de la radio. Troisième personnalité. Oui, Julien, le personnage, j'ai vu. Voilà. Donc, alors, dernière vidéo qu'on a prévue, ça se passait sur BFM TV, l'émission qui faisait une espèce de grand décryptage de l'actualité économique, ça s'appelait Un monde en faillite. Et ce qui se passait, c'est qu'au début, pour introduire l'émission, ils avaient fait une fausse édition spéciale, une édition spéciale fictive, qui montrait qu'est-ce qui pourrait se passer sur l'antenne de BFM TV si la France quittait la zone euro, si la zone euro était en train de s'effondrer. Sauf que certains téléspectateurs de BFM TV ont vraiment cru qu'il y avait une édition spéciale. Et imaginez-les devant leur écran à voir ça. Bonsoir à toutes et tous, édition spéciale sur BFM TV et BFM Business. Ce soir, édition spéciale, pourquoi ? Parce que l'actualité et l'histoire économique et politique s'écrivent ce soir en direct. Ce qui était impensable, il y a encore quelques semaines, nous étions alors en 2011, va se jouer en ce début d'année 2012. Écoutez bien, la France va sortir de la zone euro. Pire, la zone euro, d'après ce que l'on nous dit, la zone euro est en train d'éclater. Alors, on va bien sûr, on va faire une autre chronique maintenant. On va raccueillir, je sais pas si ça se dit, accueillir à nouveau Erwan. Oui. Attends, pas tout de suite, on va t'introduire avant. Donc, Erwan qui va nous faire une chronique sur l'actualité cinématographique, qui va prendre sa feuille et qui va venir nous rejoindre. Tout est prêt, c'est parti, on peut l'applaudir, jingle. Très discret, Erwan, quand il arrive. Toujours. Ça s'entend. Alors, qu'est-ce qu'on a comme actualité cinématographique ? Avant que tu parles, je voudrais juste dire aux personnes qui étaient là les internautes qui peuvent poser nous poser des questions par mail. Donc, on y répondra juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité cinéma ces derniers jours ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Donc, actuellement, à l'affiche, il y a la Dame de Fer avec Meryl Streep et Jim Broadbent.
Également, il était une fois avec François-Xavier de Maison. D'accord, une comédie. Et c'est exact. D'accord. Est-ce que c'est bien apprécié du public? Assez bien apprécié. Et des médias. Bien apprécié. Ouais. Et de la critique cinématographique, ça c'est. Ouais. Aussi. Et puis ensuite, il y a Ghost Rider, l'esprit de vengeance, avec Nicolas Cage, le deuxième volet de ce film. Bien apprécié aussi par le public. Bien apprécié, oui. Et également Voyage au centre de la Terre 2. Pas très bien apprécié par la presse. Bah, le 1 n'empêche était un peu nul. Enfin bon, c'est le genre de film qui sort fait juste pour faire du pognon. Après bon, on nous dit rien. Hein. Mais bon, voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a comme films qui sont prochainement? Ouais, prochainement, voilà. Ouais, donc prochainement au cinéma, il y aura Cheval de guerre de Steven Spielberg le 22 février. Donc très prochainement. Toujours le 22 février, Sécurité rapprochée. On n'a pas le nom des acteurs, non? Non. Non. On les a pas. Bon, on les devinera. On les devinera. Toujours le 29 février, extrêmement fort et incroyablement prêt. Les Infidèles avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Avec une affiche qui avait fait polémique d'ailleurs, ouais. Oui, c'est rigole, mais oui. C'est précisé. Ça, oui. Et le 7 mars, Nos plus belles vacances avec Gérard Darmon. D'accord. Et encore un film français. Vous aimez bien les films français, hein? Ouais, on aime bien. Français. Les DVD, les Blu-ray dans les bacs. D'accord. Donc ceux qui sont déjà sortis. Déjà sortis. Il y a Drive, qui est très attendu. Qui était, ouais, Bienvenue à bord, toujours avec Gérard Darmon, Franck Dubosc, Valérie Lemercier. Identité secrète avec Taylor Lautner. Et maintenant, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, les prochaines sorties DVD et Blu-ray, par contre, il y aura Beurre sur la ville le 14 février. D'accord, très attendu ou pas? Très. Non, voilà, autant dire ce qu'il y a. Ouais. Voilà, tout le monde s'en fout, donc voilà, continue. Force spéciale le 6 mars, Les Trois Mousquetaires le 15 février, et puis très attendu aussi, The Artist le 14 mars. 14 mars pour The Artist qui enchaîne les récompenses. Les récompenses. On l'avait dit tout à l'heure. Ouais, hein, dans l'heure. Ça a servi à Chronic People. Hein. Je savais pas, Chronic People, tout le monde s'en fout l'habitude, mais bon. Attention à la batterie sur la caméra là-bas. Bon, alors, est-ce qu'il y a rien d'autre dans cette. Non, c'est. Non, pas de news qui s'arrive entre temps. On est bien chargé. Est-ce que quelqu'un allait au cinéma là aujourd'hui? Non? Non, non, tout le monde s'en fout, non. Pourtant, il neigeait, c'était un beau temps à aller au ciné, mais bon, d'accord. Bah, aujourd'hui, au cinéma, donc personne n'a intéressé les sorties ciné d'aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est dommage pour eux. Voilà. Eh bah, écoute, Erwan, on te retrouvera tout à l'heure. On va écouter à nouveau notre artiste qui va interpréter son deuxième titre qu'on avait demandé tout à l'heure, c'était Courir. Alors, d'abord, il faudrait évidemment qu'on lui donne un micro et ensuite, elle va pouvoir. Bah, pire, on lui donne. Voilà, donc je ne sais pas où elle veut chanter éventuellement parce qu'il faudrait aussi positionner les caméras, je ne sais pas si c'est faisable. Voilà. Donc on va pouvoir y aller juste avant parce que voilà. Si vous avez des questions à nous poser, vous nous les envoyez n'importe quoi sur ce qui concerne le site internet, par exemple, ce qui peut concerner les chroniques que vous avez regardées, si vous avez des réflexions à faire au public, à nous, à toutes les personnes qui sont ici, vous nous les faites et on les dira juste après l'interprétation de Courir, donc, qu'on va avoir juste maintenant. Voilà, maintenant. Donc, on va laisser notre artiste se positionner et on va pouvoir y aller dès que tout est prêt. C'est bientôt parti. Voilà, donc. Courir à s'essouffler, à perdre haleine, cela en vaut-il la peine? De courir pour le meilleur et le pire, à se parler d'éternel retour. Courir sur la piste, à fendre la bise, le plus vite, le plus loin possible. Tenir la distance, trouver le bout du tunnel, à lever les mains au ciel. Demander sur cette terre terrienne, chacun la sienne. À courir après la galaxie, à courir après notre vie. Courir après les signes du destin, sur les lignes de nos mains. Courir pour changer l'avenir, que tourne la vie de la vie. Courir pour ne pas vouloir mourir, un sursis bien tranquille à vivre. À
accomplir son chemin ici-bas, dans le bruit et le silence. Courant d'air sur cette terre terrienne, chacun la sienne. À courir après la galaxie, à courir après notre vie. Courant d'air sur cette terre terrienne, chacun la sienne. À courir après la galaxie, à courir après notre vie. Devenir chercheur d'or, arriver des mines d'utopie, courir la tête pleine de projets sans avoir le temps de tout faire. Le nez en l'air, couché dans l'herbe, nous dire si le paradis c'est ici. Aurons-nous le temps de tout vivre, à courir si vite dans cet infini. Sur cette terre, terrienne, chacun la sienne. À courir après la galaxie, à courir après notre vie. Courant d'air, sur cette terre, terrienne, chacun la sienne. À courir après la galaxie, à courir après notre vie. Courant d'air, sur cette terre, terrienne, chacun la sienne. À courir après la galaxie, à courir après notre vie. À courir, après notre vie. Après notre vie. Bravo, bravo, bravo. On peut encore une fois l'applaudir. On peut l'applaudir de nouveau. Merci beaucoup pour ces deux interprétations. On nous dit d'ailleurs que l'instrumental derrière est assez professionnel, mais c'est professionnel. Hein. On le rappelle. Est-ce qu'on peut dire le nom du compositeur et de la personne qui a fait les paroles au micro? Est-ce que c'est possible de dire le nom des personnes qui ont collaboré avec vous? Attention au fil. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, venez, on va faire. Allez, venez. Venez, vas-y. Voilà. Alors, on applaudit à nouveau. Ouais, voilà. Merci au public. Merci. On a des questions pertinentes qui arrivent, on va y répondre. Merci. Alors, vous avez trois micros. Si ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas de chance. Alors, donc, ouais, on nous dit justement que c'était très professionnel. On peut dire les noms des personnes avec qui vous avez collaboré? Oui, alors la musique, c'est Christophe Robert. D'accord. Qui a écrit toutes les musiques de l'album. Et les paroles, c'est Jérôme Pantier. D'accord, qui sont autour d'Annecy aussi ou c'est, Jérôme plus... est sur Annemasse et Christophe est plus du côté de Saint-Étienne. D'accord, ouais, donc c'est en Rhône-Alpes, quoi. Oui, sur Rhône-Alpes. D'accord. Est-ce que... oui, bah, de toute façon, on avait déjà posé quelques questions. Ouais, je ne sais pas si tu as d'autres questions qui te sont venues. Non, j'en ai pas. J'avais une question, mais elle m'a échappé. Donc, oui, en quelle année ça a été fait, toute cette composition de musique, ou sur combien de temps et en quelle période? Ça s'est fait en 2 ans environ. Alors maintenant, l'année précisément, très honnêtement... Ça fait quelques années quand même. Ça fait quelques années, il faudrait que je regarde sur l'album. D'accord. Vous avez déjà participé à des émissions de comment, tu sais, truc Nouvelle Star, comment on ouais, dit ça? Télé-réalité, là, ouais, télé-crochet. Enfin, télé-réalité. Oui, télé-crochet, voilà. Des télé-crochets, oui, bon, locaux. Locaux, pas télévisés. Si, j'ai fait la Nouvelle Star, on m'avait inscrite à la Nouvelle Star. D'accord. Et le jury, non Comment il est le jury de la Nouvelle Star? Tiens, on va... En fait, moi, j'ai trouvé ça un petit peu rude comme manière de faire, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout choisi la bonne chanson. Et vous en fait, j'avais choisi SOS d'intérieur en détresse, d'accord, qui est très basse au début, et effectivement, bah, c'est trop bas pour ça moi. A pas permis de, ouais, de montrer les... Et en fait, la seule chose que la personne à l'époque m'avait dite... C'était mais c'est pas comme ça les notes, bah oui, j'arrive pas à les faire, donc d'accord. Mais en fait, c'est bon, on donne pas de deuxième chance, au ouais, revoir. Oui, c'était au revoir, quoi. Bonjour, au revoir, voilà, merci. D'accord. C'est devenu d'accord. Il y a à la Nouvelle Star, vraiment le jury fait vraiment toutes les comment on dit, tous les castings, ou c'est un autre jury qui vous... Non, c'était un autre jury. Ah, c'est un autre jury. Plusieurs... Ça balance ce soir, hein. Alors c'est un autre jury, plusieurs jurys d'accord, différents sur le même site. Et c'est sur le même site, par exemple, quand on dit la Nouvelle Star aujourd'hui est à Lyon, mais en fait à Lyon il y a plusieurs jurys. Oui, il y avait des portes et en fait il fallait attendre derrière une porte.
Ah, il y avait plusieurs en fait... portes et on attendait que quelqu'un sorte pour d'accord, et quelqu'un par exemple qui débat Nouvelle Star ce soir, hein. Donc en fait quelqu'un qui par exemple passe les premiers jurys, il peut accéder à celui qui est télévisé en fait. Exactement. D'accord, ah oui, bah, tiens, on ne dit pas tout, hein. Bon, ouais. Attends, en télé on ne dit jamais rien, ouais. On vous montrera l'état des nappes derrière aussi, c'est intéressant. Bah justement, est-ce que tu as d'autres questions? Bah non, j'en ai pas d'autres. Il y a des versions pochettes qui étaient sorties, des versions... Oui, il y avait des versions. Il y avait des versions, d'accord, qui étaient envoyées justement à Maison de Disque. On avait fait une pochette maison. D'accord, pochette maison, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on vous remercie encore une fois, on vous applaudit merci encore. À vous. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Merci d'être venu. Alors, quant à nous, la soirée n'est. Ça va être l'heure de se quitter, mais pas tout à fait, parce qu'on a des questions qui nous sont arrivées. Alors, donc on a demandé combien de personnes dans le public. Alors, je sais pas, on n'a pas compté. Je sais pas. Monsieur l'orchestre, là, alors vas-y. Prends un micro. Ouais, t'as pas de micro, c'est vrai. Tiens, j'en ai un. Alors, combien on a de personnes sur le public? Ça intéresse tellement, c'est très mal. Oui, donc on a une dizaine de personnes dans le public. Mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Tu vas interagir avec le public? Non, tu veux dire que... Non, je sais pas. Vas-y, va dans le public, on va le laisser faire. Il sait faire. Tiens, on a le monsieur tout à l'heure. C'est un très bon client, on va le réinviter souvent. Oh, les petits. Est-ce que tu as aimé l'émission? Oui. Ah, la question, quoi. Vas-y. Comment c'était, les trucs des fans là, l'école des fans, on dirait. Ah, ouais. L'école des fans avec Erwan, vas-y. D'autres questions? Comment tu t'appelles? Non, c'est non. Ça va? On a déjà demandé tout à l'heure. Comment tu t'appelles? Quel âge t'as? Comment tu t'appelles? Adrien. Quel âge as-tu? 9 ans. Après, tu veux dire quoi? Quelle chanson vas-tu nous interpréter? Je sais pas. C'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Non? Erwan, il croise pas plus de ménage. Hein. Salut, ça va? Comment tu t'appelles? T'as quel âge? Au revoir. D'accord. C'est bon? Ouais. Non? Autre chose? Je sais pas. Est-ce que vous avez des choses à dire au monsieur de tout à l'heure? Peut-être il a des commentaires. Alors, oulala. Alors, on a des petites questions qui arrivent pour vous sûrement. On nous demande comment s'appelle la fille à côté de moi. Vas-y, tu peux dire ton prénom. Bah, je m'appelle Louane. Voilà. On le redira tout à l'heure. Ouais. Parce que Erwan a porté confusion tout à l'heure, il s'est trompé. Louane n'est pas à nous. Hein. Et voilà. Bon, on va dire les autres questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au monsieur derrière. Donc, on a d'autres questions aussi, qui sont arrivées. On a demandé quand est-ce que le site internet sera ouvert. Parce que là, oui, vous avez une page provisoire. Donc, le site internet sera ouvert dans la semaine. Ah, peut-être que Louis va intervenir, je ne sais pas. Louis, t'as quelque chose à dire? Non, d'accord, ok. Donc, c'est pas grave. Donc le site sera ouvert dans les prochains jours et le live sera déjà en VOD lorsque le site sera ouvert. Ça va vite, hein, après. Donc on a d'autres questions qui sont arrivées. Les prochains grands rendez-vous, la Mont Blanc Cup en direct et puis d'autres directs qu'on vous prépare hebdomadairement. Voilà, on parlait aussi de l'instrumental derrière l'artiste. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées pour monsieur? Qu'est-ce que c'est? Monsieur nous a sorti une boîte à meux. C'était la surprise. C'était ça la surprise. Elle m'a bien la surprise. Voilà. Alors, on n'a pas de questions pour monsieur. Bon, on va peut-être se quitter là. Alors, sauf si on a des questions. Merci pour les photos. Voilà, on est des stars. On n'a pas fait assez aujourd'hui. Voilà, il nous a fait 150 photos. Voilà, donc, on en est facile. Ouais, les photos qui arriveront tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Bon, on va se quitter là-dessus peut-être alors. Ah, attends, on a une question pour monsieur. Alors, ah non. On nous demande. On demande si monsieur est marié. Monsieur, allez, micro. Je l'ai. Monsieur le micro. On lui laissera un micro pour toute l'émission la prochaine fois. Vas-y. Mais qui pose la question? Ah, je ne sais pas. Pablo. Pablo. Pablo, je suis marié. Pablo, répondez à Pablo, allez-y. Pablo, non, Pablo, ça, il a pas de chance. Bon, Pablo, tant pis pour toi. Voilà, c'est tout pour le moment pour ce soir. Ouais. On va se quitter là-dessus. On n'a pas un petit générique de fin, on n'a pas quelque chose? Bon, on enlève la musique, voilà, c'est pas grave, allez-y. Et la grande émission, c'est pas appelé à se refaire, c'est pas périodique, enfin mensuel. Le grand direct comme ça, là? Ouais. Si, ça va se refaire en été, vous pourrez venir si vous voulez, hein, y a pas de problème.
Vous venez, on vous laissera un micro pendant toute l'émission pour intervenir, comme ça, vous aurez un petit bouton, vous appuierez, on dira attention, monsieur veut parler. Vous nous ferez une interprétation de coréen aussi, si vous voulez, ce sera mouvementé. Voilà. Non, pas. Il n'y a pas de problème, mais il faudra prévoir plus qu'une heure et demie. D'accord. Bon, on prévoira plus alors. Une journée entière, ce sera un marathon. Oui. Ah. Encore des photos pour le public. Pas assez pris aujourd'hui. Voilà, d'autres questions. Encore un. Là. Alors, c'est bizarre parce que les ouais. garçons posent des questions aux garçons et les filles posent des questions aux filles. Alors, on a Sonia qui demande à Louane si elle est libre. Bah, vas-y, réponds. Oui. C'est un club de rencontres voilà. ici. Donc, envoyez vos mails, allez-y. Ça marche mieux que Mythique, vas-y. Donc, vas-y. Tu veux répondre ou vas-y, je te laisse répondre. Hein. Et bah oui, je suis libre. Voilà, ouais. Bah voilà, donc on peut. Voilà. À moins que Sonia s'appelle Raymond. Voilà, je ne sais pas. c'est ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Encore d'autres. Pablo qui nous dit. On va laisser parce que. Mais là, non, c'est bon. Ça devient n'importe quoi. Musique, c'est bon, cette fois c'est bon. Ouais. On va se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci au public qui était nombreux ce soir et qui était très en forme. Merci à vous. On se retrouve très prochainement sur tsctv.fr, le site qui arrive dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas. À très vite.